prophétie avait annoncé qu'un sauveur nous serait donné et qu'on l'appellerait Jésus, prince de paix. Et que celui qui sauverait son peuple de l'empire du péché pour apporter la paix. Les villages où il passait, la nouvelle il annonçait. Aux gens désespérés, aux gens désespérés, il apportait la paix. Une femme s'approchait de lui, En le touchant, elle fut guérie de sa maladie, pour que nous soyons sauvés. Son cœur fut transpercé, pour nous avoir aimé. Mais il est ressuscité, de la mort il a triomphé. Proclame le nom de Dieu. Veux-tu être inscrit dans ce grand livre de vie où les noms qui sont écrits sont les sauvés? Ce grand peuple innombrable que personne ne peut compter, ce sont là être un jour au paradis, tu devras te pardonner et accepter. Il veut t'emmener quand il viendra nous chercher. Pourras-tu dire je suis prêt, viens me chercher. Le temps de la grâce n'est pas passé pour celui qui veut entrer. Ne néglige pas ce grand salut qui t'est donné. Viens avec nous le rencontrer. Ne reste plus dans ton péché, car Jésus t'aime, il a payé pour te sauver. Le choix t'est donné de pouvoir le rencontrer.
saisis donc ce grand cadeau non mérité. Veux-tu faire partie de cette merveilleuse famille avec le Père et cet homme appelé Jonas, l'Éternel lui parla et lui dit: va où je t'envoie. Alors Jonas se leva pour s'enfuir entre pas. Il ne réalise pas qu'il est déjà loin du Seigneur. Et là l'épreuve arriva, dans un poisson il entra, au profond de la mer. Mais il cria et Dieu le sauva. Si tu entends cette voix, ne te détourne pas, car Dieu te tend les bras et il te dit: je serai avec toi. Mets ta confiance en moi, car quand tu ne pourras pas, je combattrai pour toi. Je suis ton roi, je serai avec toi. Jésus un jour reviendra, tu as entendu sa voix. Ne te détourne pas, car demain ne t'appartient pas. Ont tous été composés pour la gloire de Dieu, avec pour seul but d'apporter la joie et de faire réfléchir chacun sur sa propre vie et son état face à la parole de Dieu. Ce cantique, Invite Jésus dans ton foyer, a été écrit en particulier pour apporter la réponse et l'espérance dans les foyers, ou plus exactement, dans votre foyer, pour vous qui écoutez. Pour cela, il faut comprendre ces paroles qu'a prononcées Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus, aujourd'hui encore, est réellement la réponse et la vraie solution pour qu'un foyer vive en paix et en harmonie. Mais pour cela, il y a une chose à faire. Ouvre-lui la porte et invite Jésus dans ton foyer. Invite Jésus dans ton foyer. Jésus passe, il voudrait s'arrêter. Es-tu digne de le faire entrer? Que lui as-tu préparé? La journée va bientôt se terminer. La nuit approche et tu es tracassé. Tu penses à demain tes projets et tu n'es pas satisfait. Si tu voudrais l'inviter, Jésus du ciel se dérangerait pour apporter ce qu'il manque dans ton foyer. Si seulement tu voudrais que Jésus s'arrête dans ton foyer, tu aurais cette espérance qu'on l'ait sauvé. Car un foyer qui sert l'éternel craint Dieu et se détourne
appartenir à Dieu et l'Éternel veille sur eux. Il apporte la lumière autour de lui chaque jour. C'est Jésus qui les conduit si les épreuves arrivent dans leur foyer. Jésus vient les consoler. L'espérance est en Dieu. Si tu n'as pas Dieu, tu es malheureux. Voudrais-tu être appelé enfant de Dieu? Jésus s'est dérangé de son ciel de gloire pour te sauver. Vas-tu le laisser partir sans l'accepter? La vie, Jésus, dans ton foyer, Jésus passé, voudrait s'arrêter. Vas-tu passer ou bien vas-tu Yeah.
que tu sois sauvé. Jésus fut crucifié. Dieu regarde la terre, il cherche un homme sincère qu'il voudrait le servir avec intégrité dans la piété, qu'il voudrait se donner pour Jésus tout entier. Ne te détourne pas si tu entends cette voix qui te dit viens à moi. Seras-tu endormi quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra. Dieu nous a laissé ses commandements pour ne pas tomber en tentation. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous avertir de tout danger. Mais tu n'as pas su garder ce que Dieu t'avait donné. Tu n'as pas su résister à ton péché. Jésus voudrait te pardonner, te redonner la liberté que tu avais lorsque tu l'as rencontré. Jésus ne peut pas décider pour toi, oui pour toi, si tu veux rester dans ton état. Mais le jour où Jésus reviendra, ce serait dommage que tu n'entres pas dans sa gloire, où ce sera la joie. Quand les problèmes m'envahissent, quand je comprends plus, je me dis, pourquoi m'arrive-t-il ça? Seigneur, je ne comprends pas. Lorsque je fais le bien, le mal s'attache à moi. Pourtant, je suis chrétien, ma vie est dans tes mains, mais c'est si dur pour moi. Seigneur, je ne comprends pas. Je vois le monde autour de moi, les gens qui ne t'appartiennent pas. Ils sont toujours tranquilles et ne se tracassent pas. Ils ne veulent pas de toi, ils se disent bien comme ça. Et moi qui ne vis que pour toi, Seigneur, je t'en prie, réponds-moi. Ne me laisse pas comme ça, j'ai tant besoin de toi, car je ne pourrai pas continuer comme ça. Mais là, le Seigneur m'éclaira et Dieu me dit père par la foi. Car quand le jour viendra où toi tu partiras, les gens autour de toi
qui ne m'appartiennent pas. Ils iront loin de moi, jugés pour leurs péchés. Mais toi, tu entreras dans la joie. Prêche la Bible en toute occasion, favorable ou non. Ne crains pas de ce que tu diras, car Dieu parlera pour toi. Mais donne-toi fond dans le combat, Dieu se servira de toi et il te placera là où il voudra. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste, remplis bien ton ministère. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils saisissent la vérité. Dieu dit que dans les derniers temps, quelques-uns perdront la foi. Que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle autour de toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Prends courage et fortifie-toi, car Jésus compte sur toi. Ne crois pas que tu n'arriveras pas, car Dieu est avec toi. Prends les armes pour aller au combat, le bouclier de la foi, la ceinture et le casque du salut, c'est
mes armes seront pour toi. Tu t'en serviras. Homme de Dieu, veille sur ton enseignement, affermis les croyants. Prêche la Bible en toute occasion, favorable ou non. Ne crains pas de ce que tu diras, car Dieu parlera pour toi. Mais donne-toi fond dans le combat, Dieu se servira de toi et il te placera là où il voudra, là où il voudra. Un cœur pur pour l'aimer, il m'a éclairé dans ce monde de péché. Je veux le remercier de m'avoir accordé la grâce d'être sauvé. Moi qui croyais pouvoir m'arranger avec Dieu comme je voulais, je pensais pouvoir lui dire, Seigneur, tu sais, j'ai donné tout ce que je pouvais pour les pauvres, en me disant que Dieu, peut-être, dans sa bonté, il me sauverait. Mais Dieu aime le pécheur, mais il a il péché. Car dans son grand palais, tout est pur et sanctifié. Si tu veux être sauvé, tu devras simplement l'accepter. Oui, je sais. Mais moi, je croyais pouvoir vivre en paix et faire comme bon me semblait. Je savais que Dieu était la vérité, mais sans pour autant l'accepter. J'ai essayé de m'arranger, mais je me disais, après tout, j'ai tout le temps d'en profiter. Mais Dieu veut que tu sois une personne transformée pour pouvoir éclairer tous les gens dans le péché, car sans passer par lui, tu pourras jamais entrer au paradis. Péché qui me donnait.
saisis la vie éternelle. Si ton cœur est malheureux, viens à Dieu. Viens chrétien.